appeler les écoles, ça fait cuisine, monsieur le président. Ah ben Cyril obligé. Melchior. Hein? Obligé, aujourd'hui comme c'est un bon jour. Hein? Il paraît qu'il ne travaille pas trop aujourd'hui. Il ne travaille pas trop aujourd'hui. Ou ça fait travailler Ali. Ben oui. Mais bon alors, ben. Ça fait faire Ali là. J'ai fait une petite arrière à courir. Carré bien massalé. Un petit massalé. Tu m'as salé alors. Ouais. Ben il est bon là. Où trousse les manches. Hein? Bon, nous la pointe la pointe un tablier canal austral pour monsieur le président, non? Hein? Elle est bon. Ah ben voilà, Toto est prêt, t'as où le tablier et tout qui va avec. Toto, comment tu fais la cuisine si tu donnes ton tablier? Comment il fait la cuisine si tu donnes ton tablier? Sans tablier, il est délivré. Ah ben oui. Alors Toto est prêt, après son tablier. Le pouvoir de Toto, c'est dans le tablier. Voilà. Mais on file le tablier, mais mi proviens que vaut mieux c'est Toto que derrière le tablier, parce que maman sera un peu son apprenti. Ah, son apprenti. Mais on cuisine un petit peu de temps en temps. Il arrive à moi de faire un peu la cuisine, comme toutes les créoles, parce que nous, on connaît, quand la famille se réunit, ben, chacun il donne un petit peu un coup de main. Ouais. Ben, moi, souvent, il donne un coup de main aussi. Mais ouais. Attention, on n'est pas un bon cuisinier. Mais s'il faut donner un coup de main, eh bien, nous donne un coup de main. Et quand il arrive à vous de cuisiner tout seul comme ça, on a une spécialité que vous faites plus que les autres. Hein? Faut... Et dis-moi oui là. Oui, oui. Si tu ne donnes pas l'information, je donne. Hein? Mamie aime bien faire des petits rougailles créoles. Bon, rougailles la morue. Oui. Rougailles zandouilles, par exemple. Ah, ouais. Ah ben ça m'aime faire. Ça, ouais. Et où zandouille entre nous, il écrase, mais il reste entier. Ah, attention. Ouais. Mais tiens ce qui reste entier. Parce que quand il fait bouillir mes zandouilles. Maintenant, une technique qui fait que les andouilles, ben, ils n'échappent pas, quoi. Hein, donc, ils restent pas en tranche comme tranche de saucisson. Ouais. Et puis, ils choisissent bien mes andouilles aussi. Hein. Ouais. Un bon charcutier. Un bon charcutier. Mais achète mes andouilles à Salazie. C'est un camarade à moi qui habite Salazie. Voilà, d'accord. Alors. Et Christelle a ramené un autre tablier pour Toto, moi, comme ça. Toto, vous pouvez reprendre le tablier. Là, ou bien avec. Voilà. Allons, donc là. Ben, elle a fini de commencer. Ça, c'est le massalé, ça, hein? Ça, c'est le massalé, mais si tu veux, ben, elle a fini de commencer, il faut bien avancer le massalé. Hein. Ouais. Mais quand il regarde, il est vraiment joli, il est très appétissant. Et bien sûr, là, la cuisson n'est pas terminée, donc de temps en temps, il tourne un petit peu. Mais le cuisinier, c'est lui. Moi, il me donne un coup de main comme ça. Et crois-moi que dans un instant, ça sera bon. Hein, dans un instant, hein. Ça, c'est le massalé, là où ça fait un petit carré, là. D'accord. Hein, de A à Z. Voilà. Hein, voilà. Hein, on préfère au feu de bois ou bien au feu de gaz? Mais il préfère le feu de bois. Mais dis-moi pourquoi. Hein. Le feu de gaz aussi, il est bien. Mais on dirait que le goût qu'on est au feu de bois, là, ça l'est meilleur. Mais il ne connaît pas à cause. La cuisson est peut-être plus lente parce que le gaz est rapide, il saisit un peu la viande. Tandis que là, on mijote à lui au feu de bois, là, ouais, mais elle est doucement, doucement. Ah là là. Ah ouais, d'accord, alors ok. Un tout seul. Hein? Bonsoir à tous, président du département aujourd'hui. Voilà. On va faire une petite cuisine pour nous. Christelle doit trouver un tablier pour lui alors. Oui, bah oui. Hein, vous collectionnez un tablier alors? Bah oui, mais garde toujours un au cas où qu'il y en manque. Ah, d'accord. Heureusement mes prévoyants. Heureusement les prévoyants. Tablier secours. Tablier secours. Hein. Ok. Mahé, Christophe Mahé, le bonheur il est où? Christophe Mahé, le bonheur il est où? Ben, le bonheur n'a pas besoin d'aller loin pour chercher. Il est là où ça nous l'est. Regarde. Quand on est entouré des amis comme ça, vous avez les amis, vous avez la famille en bonne santé. Et puis, bien sûr, une bonne cuisine, un bon petit plat. Ben, le bonheur, il est là. Regarde. Le bonheur est dans la marmite. un coq la cour au chouchou de la cour. Hein? Aussi. Et là, nous, on a produit pays. Ouais. Parce que tu vois, produit pays, là, à Réunion, nous, on a. Des animaux, coq qui chante, on en a poulet, on en a de la porc, etc. Lapin, on a vraiment des produits pays de qualité. Et puis on en a les légumes. Ah ouais. Partout ça on passe là, aux quatre coins, on voit les légumes. Tomates, oignons, chouchous. On a des droits à l'importer, mais nous, on veut faire pays. Et quand on fait un petit carré volaille avec chouchou là pour. Rien les meilleurs que ça, mes amis. On aura l'occasion de discuter, mais c'est une des compétences du département aussi, ça, hein, de faire en sorte que les jeunes agriculteurs, par exemple, puissent développer leur métier de par les terres cultivables et irrigables. Hein, et donc, ça, c'est une compétence du département. Exactement, c'est une compétence du département parce que l'agriculture, aujourd'hui, il faut savoir que l'agriculture, il emploie près de 17 000 personnes à la région, en emploi direct. Nous en avons de bonnes terres, on a développé l'irrigation et nous en avons aussi les jeunes qui se forment, qui obtiennent des diplômes, des CFA, CFA agricole, BTS agricole, Bac Pro, etc. Eh bien, on a tout pour développer l'agriculture réunionnaise. Nous avons le soutien du département, de l'Europe. Eh bien, c'est pour ça que moi, je me bats pour que ici à La Réunion,
et bien nous mettre le paquet pour avoir le maximum de produits que nous freinent un peu l'importation, parce que acheter des produits qui viennent d'Australie, de Chine et d'ailleurs, nous ne connaissons pas trop comment Banala l'a fait pour produire ses carottes, etc. Il vaut mieux que nous achetions ici, chez nous, on en a tout ce qu'il faut. Mais parfois, c'est vrai qu'il faut augmenter la production parce que la population l'a augmenté. Mais quand on augmente la production, le créole est content, la population réunionnaise est content. Ouais. Nous achète PI, nous achète produits PI. Consommer local. Consommer ça, local. Ça, c'est un leitmotiv du département. Ça. Voilà. Voilà. Et crois-moi que nous, le département, nous mettons le paquet pour aider nos agriculteurs. Nous voulons faire une agriculture raisonnée. Nous voulons que dans les écoles, dans les cantines, quand les mamans ils mangent, quand ils achètent produits PI, produits ici, c'est ça nous voulons dans les assiettes. Et bien sûr, quand nous sommes mangés dans un restaurant, bien même la case, ben quand nous retrouvons des produits PI, on est heureux. C'est ça que nous voulons. Voilà. Hein? Hein? Notre cabri PI, Toto. Hein? Notre caloupilé PI. Hein? La cour. Et, toutes les... Et tout est de la cour. Hein? Ouais. Voilà. Regarde les épices PI. Là, on en a tomate. On en a le caloupilé. Ils sont bons. Caloupilé. Ça, c'est le gros piment. Les oignons. Ben, c'est ça, mes amis, que nous avons besoin pour faire la cuisine créole. Nous avons besoin des épices. Ici, on a tout les chez nous. Il faut savoir les utiliser. Après, ben, vous avez aussi ben, le petit rougail. Ça peut être rougail zévi, ou peut être rougail mang. De l'autre côté, regarde là. Les oignons verts. Ça, hein, les oignons verts, ben ça c'est, ils poussent bien à la Réunion. Le concombre, quand on fait une petite salade concombre, ouais. Salade concombre c'est excellent. Et ma salée marche toujours avec salade concombre aussi, ça. Hein. Voilà. Le thym, regarde la beauté, la botte de thym, comment ça est magnifique. Ben tout ça c'est produit à la Réunion même. Quand on va prendre ici le coton mili. Coton mili, ben nous utilisons ça beaucoup. Ça il sent bon. Coton mili, ben ça il vient bien de la cuisine créole. Gros piment, n'en parlons plus parce que nous créoles, ben nous il y a bien notre piment. Ben regarde là, on en a le piment, le gros piment. Ben ça est bon dans la cuisine. Tout ça nous en a. Alors merci pour être présentifié, mes amis. Alors là, ben Nadjama, il fait un petit curry de Corée. Ça fait un petit curry la Corée poulet. Hein? En fait, voilà. C'est des abats de poulet hein, dans lequel Toto, qu'est-ce qu'on a dedans hein? On a le foie, on a gésier. On a le foie, gésier, l'huile est chaude. Donc l'huile est chaude. Il faut faire attention, il faut mettre tout doucement. Pas mettre trop vite parce que. Voilà. Ça va doucement, doucement. Si on a bien petit peu. Et le feu de bois est aussi rapide, hein? Ah, ben ouais. Le feu de bois est rapide. Il ne faut, pas trop tarder parce que. Voilà. Là, après, bon, ben, toutes les parties. Tout on allie doucement, doucement. Là, il ne faut pas écraser parce que s'il fait trop fort, il écrase. Mais là, nous l'est bien. Le feu est exactement le bon degré de feu, comme voilà. On dit. Et là, bon, ben, là, il rougit. Un petit peu de sel, alors. Hein? Alors, la quantité de sel, par contre, des fois, on a un peu de mal à doser. Ça nous désolé, c'est le sel que on a du mal à doser. Alors, nous mettons un peu. Ouais, pas, surtout, c'est du gros sel. Hein? Faut pas abuser sur le sel. Voilà. Parce que ben, vous connaissez que normalement, c'est par personne, c'est 7 grammes de sel par jour et par personne. Hein? Exactement. Hein? C'est hein, Toto? 4 grammes. 4 grammes, oui. Mais quoi, on arrive à un certain âge, hein? Voilà, Toto, hein? Voilà. 39 ans. Voilà. Enfin, 36 ans à l'envers. Voilà. Hein? Ah. Bon anniversaire, Toto. C'était son anniversaire aussi hier. Ah, bon anniversaire, Toto. Pour mettre un peu ça. Ça, c'est du cumin. Alors, ça, hein? C'est le cumin. Pareil, bien doser le cumin. Donc, nous mettre un petit paquet de cumin, là. Parce que ça veut dire que c'est un massalé, là, alors, hein, le cumin, hein. Voilà, le cumin, il vient bien dans la cuisine, parce que l'île a son goût particulier. Surtout, ouais. C'est un épice, qu'on utilise dans la cuisine indienne. Voilà, exactement. Ici. Et bien là, où tout en allie un petit peu, et puis on laisse aller revenir doucement. Alors, le cumin, il a plusieurs noms, hein. On a un peu appelé l'allie Silon, voilà. En Maurice, c'est appelé Tilani. Silani. Maurice s'appelle Silani. Voilà. D'accord. Hein? Donc là, on couvre voilà. Un petit peu. Là, nous couvre aller. Et là, on et laisse aller. Nous laisse aller mijoter tranquillement. Voilà. Voilà. Parce que normalement, ils doivent rendre de l'eau là. D'accord. Ah, là, ils rendent son eau, tu en ailles un petit peu là. Alors, hein? Alors là, mets-toi un petit peu, délicatement, il ne faut pas faire trop. On ne peut pas écraser non plus. Hein? Ça va, il commence à durcir un petit peu. Hein? Voilà. Mets toi un petit peu. Comme ça. Bon, il ne faut pas avoir peur de la fumée seulement. Hein? Ah oui. Mais nous, il ne faut pas qu'on rentre toute case, après on de la fumée. Madame demande où ça sort. Ah oui, hein? Mais nous casse pas. Nous connaissons, là, nous sortons de la, c'est la cuisine. Cuisine oui, créole. Oui. Et le jus brûle un petit peu, mais pas grave. Nous l'habituons, nous.
longtemps, quand j'étais jeune, ma tante m'assise dans la cuisine de mon grand-père. Ah ouais? Mon grand-père avait une petite cuisine, comme toute créole. La voile avait un feu. Et puis, bon, elle était fait la cuisine. Et puis là, elle était mettre maïs en haut. Maïs, quand elle ramasse maïs, on parle maïs, puis qu'il mettait dans la cuisine au feu de bois. Dans un coin, elle avait un calebasse. Avec un trou, tu mets du sel dedans. Ah ouais. Quand ma grand-mère fait la cuisine, elle plonge la main dans le calebasse, elle prend le sel. Et nous, maman, nous t'es assis sur un petit banc. Quand on a fait café, là. Mais nous t'attendons, nous tous, nous. Ah ouais. Nous petit café aussi, nous, après. Ben, nous t'es assis dedans, t'es bois notre café avec grand-père, grand-mère. Ah ouais. La fumée, t'es boucan à nous, mais c'était ça aussi, le bonheur. Voilà. Voilà. Le bon vieux temps. Voilà. Voilà. Encore chaud. Donc, un petit peu chaud. Là. Peut-être avec la voix de Moun va reconnaître. Hein. Ah, c'est un petit peu chaud. On va aller attendre encore un petit peu parce qu'il est trop chaud là. Ah. On va attendre un petit peu et comme il y a un peu de vent, donc ça va refroidir assez rapidement. Voilà. En ce moment, tout le monde l'a remarqué, l'air est un peu frais. Hein. L'air un peu frais. L'air un peu frais. D'ailleurs, quand vous servez le repas, là, il refroidit vite avec cet air frais là. Et ben là, voilà, il est bon, là, m'a goûté, ma désir. Excellent. Les pas durs, ça va? Très très bon. Il manque pas de sel. Tout est bon. Un bon degré de sel. Hein. Cuisson. Bon. Cabri-la-cour. Hein? Cabri-la-cour. Cabri-la-cour, oui. Bah, hein? Les bons, la croix, mettre les bons. Vraiment. Les bons. Hein? D'accord. C'est très bon. Bravo, Toto. Donc, mets-toi un alit doucement, délicatement. Il ne faut pas écraser. Doucement, comme ça. Voilà. Comme on va passer à table, comme nous disent, du doigtier après les cartes. Vous allez dire du doigtier, les cartes, vous allez très bon. Là. Ah bon, ah, oui. D'accord. Mais vous ne connaissez pas l'expression là. Hein. Doigtier, les cartes, hein, François, doigtier, les cartes. Ouais. Non, mais ça, d'avoir les régionales, ça. Les régionales. De notre région. Les départementales, non. Non, mais. Non, mais. On doit à César ce qui appartient à César. D'accord. Là où ça commence à mettre les épices dans l'outil massalé, hein. Voilà, donc si tu veux, le plat pigeonne bien, là, le feu n'est pas trop fort, et nous mettre les oignons. Voilà. La cuisine, là, c'est une affaire, il faut faire ça avec amour, me dirais. Oui. Donc là, pas la peine de faire ça comme en brutalité, hein. Donc on fait ça doucement, délicatement, parce qu'il faut savoir que ça, là, ben ça, c'est, après nous, ça mange aller, quoi. Donc on fait ça délicatement, sans brutalité, donc là où laisse le feu, c'est le feu qui fait le bon travail. Nous, voilà. Le cuisinier, nous assaisonne, mais c'est le feu qui fait cuire, hein. C'est pas moi qui fait cuire. Là, on a l'ail et gingembre. Hein? Donc là, pareil, nous mettons l'ail, gingembre. Et la mettre un petit peu de piment aussi, de là, ça. En direct, parce qu'il y a un massalé, il fait un petit peu de piment. Hein? Voilà, donc voilà. Là, nous répartissons un petit peu sur l'ensemble du plat, hein? Voilà. Comme ça. Et bien, tout au levier, hein, il répartit. Hein? Là, fais pas semblant, hein. Il met tout parce que tout le temps il faut mettre tout. Oui, hein. Parce qu'il y a des silos après ils jettent. Sinon hein? Ça, ben voilà. Voilà. Là, comme ça. Pas entier. Très bien. Un petit peu de. Un peu de safran. Ça. À nous nous dit safran, mais c'est curcuma. C'est curcuma. Hein? Curcuma, hein. Là pareil, il faut savoir doser. Là, mais demande le conseil toujours d'un spécialiste parce que des fois on met trop, des fois on met pas assez. Ouais. Donc, Toto, dis-moi, il faut mettre encore. Toto, hein, ici tout est jaune, hein, tous les murs sont jaunes, parce que Toto, il aime safran ici. Hein? Regarde-moi ça. Là, il va mettre un petit peu. Voilà. Alors, le feu, fait entendre à nous qu'il est là, il travaille. Là, il est bon. Voilà. Prends ça. Vaut mieux une grosse cuillère. Hein? Alors, après, une fois que là, il met toutes les épices, ben, bien sûr, il faut mélanger. Hein. Faut pas avoir peur. Hein. On mélange tout ensemble, comme ça. Tout en aller. Pour une fois, sans brutalité. La cuisine, c'est un art. Hein. Attention. Hein. On n'est pas un cuisinier, mais comme il admire les cuisiniers, mais il voit que ce sont des artistes. Les cuisiniers, ce sont des artistes. Hein. Est-ce que la cuisine aussi pourrait être un genre de soupape pour évacuer un petit peu la pression quotidienne? Oui. Ben oui, parce qu'en fait, si tu veux, là, nous mettre un petit peu de. Nous récupérer toutes les. Un petit peu d'eau pour récupérer toutes les épices que l'a resté. Là, c'est parti. En fait, ben, la cuisine, là, c'est un moment de convivialité. C'est un moment où les amis se retrouvent autour du feu
Et pendant que le cuisinier ben, lui cuisine, lui dirait, ben, tout le monde est assis, il cause, voilà. Il blague un petit peu, il partage un moment, c'est un moment. Alors là, mettre la tomate, d'accord, pareil, et on va y aller dedans tranquillement. Ouais. Et les quantités de tomates, ils dépendent un petit peu d'un endroit à l'autre. Hein. Toto oui. aussi, il connaît ça. Hein. Quand on est dans le sud, on met un petit peu moins. Quand on est dans l'est, on met un petit peu plus. Hein. Ouais. François, dernière fois, il dit comme ça, c'est parce que dans l'est, tomates, ils poussent plus. Peut-être, oui. Peut-être. Ils mettent de l'eau tout le temps. Ils mettent de l'eau tout le temps. Hein. Hein, Calix, à où dans l'ouest, là-bas, dans le sud, on met un petit peu moins de tomates ou, hein. Non, de l'eau, il n'y arrive pas. Ah, ouais. Mais on connaît l'irrigation, c'est un domaine de compétence du département. Hein. Oui. Voilà, oui. Hein. Voilà, oui. Hein. Mais joli. Alors là, joli, hein, la tomate, ben, quand vous mettez toute tomate, ben, vous laissez aller réduire un petit peu. Hein. Oui. Tout en allié, vous laissez aller réduire un petit peu tranquillement. Sur le temps, on fait tout bien faire, on fait carré, alors, oui, ben, en fait, quand... Un petit peu d'eau, alors. Hein. Un petit quand le président, là, le président, oui. là, ça c'est un poste, comme il dirait, que vous occupez, mais il ne faut pas oublier les origines. Tous les jours, moi je n'ai pas président tous les jours, ben, moi c'est Cyril Melchior, un créole comme vous êtes même, un réunionnais, qui aime son pays, qui aime son île, qui aime ses traditions, sa cuisine, qui aime son agriculture et qui veut vivre comme tout le monde. Et il ne faut pas parce qu'on est président que tout d'un coup, ben, on croit que, ben, on est différent des autres. Non, nous, ouais. toutes les pareilles. Sauf que, comme il dirait, ben, en tant que président, ben, on a des responsabilités. Ben oui, ça il ne faut pas le nier, c'est de grosses responsabilités. Mm-hmm. Mais quand je arrive chez moi, quand je suis avec les amis, ben mes amis, c'est mes amis. Ils hein, ne vivent pas en tant que président, mais arrive pas là. Ouais, président, non. Simplicité. Il faut rester voilà. dans la simplicité. Parce que la vie, là, elle est simple, ça. Des fois, c'est nous-mêmes qui compliquons. Exactement. Alors, il faut savoir voilà. rester simple dans la vie. Et tellement le plus simple que là, actuellement, tout le monde y regarde et c'est vous qui cuisine. Hein? Voilà. Hein? Voilà. Créole, il y a m'abusé. Hein? Hein, Calix? Créole, il y a m'abusé. Hein? Non, on a lié pour sa casquette de cuisinier. De cuisinier. Hein? Ah, voilà. Et vous allez tellement bien regarder les autres. Oui. Ils mangent après. Oui. En plus, comme on est bien entouré. Voilà. Que, oh, pardon. On a des amis qui sont agréables comme vous. Et ça, c'est du massalé. Hein? Et m'y tiens à remercier d'ailleurs. Hein, m'y tiens à remercier M. Coindin de toutes. Oui. Que l'accueil à moi ici. Toute l'équipe de Canal Austral ici. Toute hein. l'équipe de Canal Austral, avec Toto qui donne à moi beaucoup de mains pour expliquer à moi comment il faut faire ça. Voilà. Ben, m'y remercie à Zot. Et vous savez, il faut, encore une fois, que nous restions solidaires. Si nous réunionnons, nous les solidaires entre nous, on fait des choses extraordinaires. Voilà. Hein? Et des fois, les gens qui viennent d'ailleurs, vous remarquez ça, vous voyez que la Réunion, c'est un beau pays. Que les gens les sympas, les hospitaliers, l'hospitalité réunionnaise, le plat réunionnais, la cuisine réunionnaise. On a beaucoup de choses ici que des formidables, mes amis. Mais ça, parfois, on ne se rend pas compte. Mais ici, on a... Hein? Hein? Là, on a tout pour être heureux. On a tout pour être heureux. Voilà. Et parfois, bon, ben, y a des soucis aussi, il ne faut pas le nier. Hein. Y a la santé parfois qui cause un petit peu de douleur. Par exemple, mon camarade côté moi, là, ben, lui, des fois, il dit à moi sur le genou, il fait mal. Ben oui. Ça, ça l'a fait pour ça, c'est pour ça, ça m'en un peu. Là, il faut mettre un bon petit peu de l'eau dedans pour qu'il puisse cuire. Là, hein. Voilà. Parce que le gésier dedans, c'est la partie qui demande le plus de cuisson. Hein. Voilà. Ouais. Et là, maintenant, ben, ça y est. Là, on peut couvaler. Là, nous recouvaler hein. et nous laisser le feu continuer son travail. Voilà. La cuisson va se faire. Voilà. Voilà. Et puis, et nous apprendre une vie normale. On reprend une activité normale. Une activité normale. C'est-à-dire, hein. ni savoir un coup. Voilà. Mais avec modération, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Peut voir même boire peut-être un limonade. Voilà. Hein, voilà. Un jus de citron. Ouais, un jus. Ouais, un détox. Un détox. Un détox. Ouais, c'est la mode, ça. Ouais, c'est la mode, ça. Voilà. Allez, allons. Ils ne mettent pas tout un coup. Là. Il y en a qui font l'étouffer. Ils mettent tout ensemble. Ah, oui. Mais moi, je n'aime pas trop. Mais aussi, faire comme Toto explique à nous. C'est-à-dire que nous fait au fur et à mesure. Nous roussit, nous fait revenir. Après, nous commençons à mettre le sel, le poivre, le gingembre au fur et à mesure. Chaque étape. Il y a un ordre chronologique. Il y a un ordre chronologique. Ouais. Et puis après, à la fin, bah, on laisse la lumière jeter là tranquillement. Ouais. Un petit peu de l'eau de temps en temps pour que la cuisson soit vraiment bien au point. Et puis là, bah, c'est ça, que c'est le bonheur, mes amis. Voilà. Avec un petit gazon de riz, voilà. on est heureux. Bon, c'est quoi ça? La cuisson y avance bien. Ah, ouais. La cuisson y avance bien. Dans un instant, sera après. Mais avant que la cuisson y termine, encore un petit morceau pour mettre. Donc, là, m'écarte un petit peu. Et puis, m'y mettre une partie que parfois,
les fragiles. C'est la partie la plus fragile du coq, je dirais. Ouais. Mais nous, là, ça y est doucement là-dedans. Du bon. Coq, hein. Bah, n'est pas là-haut, ça foule, mais le coq aussi, il en a des trois tiges. En fait, on va appeler un chat à pêche, c'est des testicules de coq. Hein. Voilà. Voilà. Donc, les testicules du coq, nous mettent à l'île là, dans un coin. Oui. Et puis, nous recouvrent à l'île pour que l'île cuit tranquillement, comme ça. Voilà. Voilà. Et là, il va mijoter tranquillement. Et nous mettre à l'île au chaud, quoi. Nous mettre à l'île au chaud. Voilà. Et puis, bon, ben. Là, ben, ça va. Là, ça l'île cuit tranquillement. Un petit peu. Sans plus... écraser à l'île dans un coin. Oui. Et puis, ben, mais que pas celle qu'il voit, mais franchement, il commence à avoir. Une belle texture. La, hein. Ah, la texture, elle est impeccable. La sauce est bien réduite. La viande, on voit qu'elle est bien cuite. Eh bien, nous laisse aller mijoter encore un petit peu. Mm-hmm. Et après, ben, on va passer à la finalisation. Avec des herbes vertes dessus. Voilà. Et tout ça. Hein. Un petit peu de gros piment, un petit peu d'herbes vertes. Voilà. Et voilà. Puis, en affaire, il faut faire très attention. Marmite là, il poque. Ah oui, oui, oui. Il faut prendre une petite serviette. Voilà. Et nous laisse aller mijoter. Voilà. Tranquillement. Alors, Julie, vous savez que monsieur le président savait cuisiner. Vous dites, ouais, ben, non, peut-être alors, qu'il déjà, bonjour, monsieur Melchior, bienvenue. Bonjour, merci pour votre accueil. Ah, ben, avec plaisir. Et donc, monsieur le président, qu'est-ce que la cuisine pour nous aujourd'hui, là? Ben, figurez-vous que ici, quand j'arrive dans un coin de paradis comme ici à Sainte-Suzanne, eh bien, on m'a dit qu'il y en a un peu de tout, des produits pays. Et là, donc, c'est un curry de Corée de volaille. Curry Corée? Volaille. Eh ben, dites donc, ben, monsieur Malcolm est un super cuisinier, d'après ce qu'il m'y voit. Écoute, il reste à goûter. Comme tous les créoles, comme tous les créoles, nous essayons. Vous l'avez essayé. Voilà, on l'a essayé, mais là, il faut toujours essayer dans la vie. Et quand on est bien accompagné comme aujourd'hui, avec Jean-Claude et bien sûr Toto toute aussi, l'équipe, hein. toute l'équipe qu'elle est là, ils m'ont mis en confiance. Ouais. Et c'est vrai que chez moi, je cuisine rarement, mais je cuisine parfois quand même. Okay. Et donc, ben, là, avec les professionnels comme on en a ici, ben, il fallait essayer. Bien en sûr. Plus, vraiment, il y a des produits de qualité, des produits pays. Tout à fait. Donc, des légumes pays, il y a bio de tout. Bio aussi, que nous avons jardin, que nous cultivons nous-mêmes. Donc voilà, ce sont des légumes frais. Et bio, comme vous dites. Voilà. Et ben, ben, toutes les conditions sont réunies pour avoir une belle cuisine. Tout à fait. Et en plus, il y a de l'amitié. Ça aussi, c'est important. D'accord. Merci. Donc, on discute, même discute avec tous les maires, tu vois, respectueux de la démocratie. Bien sûr. Parce que le département, là, nous sommes dans l'action sociale. L'action sociale, c'est d'abord ben, tout ce qui touche aux personnes en difficulté, aux familles en difficulté. Et quand tu fais du social, tu es obligé de travailler avec les mairies. Parce que dans les mairies, il y a les CCAS. Mm-hmm. Ben, si on ne travaille pas avec les maires, les 24 maires, c'est difficile. Mais après, les communes participent aussi au département, puisque on a vu que le département, il y a 50 élus. Hein. Après, ouais. Ben, Julie va être contente, puisqu'il y a 25 femmes et 25 hommes. Ah, oui, hein, c'est la parité est vraiment respectée. Ah, hein. Oui, c'est la parité. Ah, oui. En fait, il y a 51 élus, parce que le 51e, c'est monsieur le président. Le 50, mais il fait partie des 50. Donc, on a mal compté, là. On a pas de compte. Oui, non. Donc, il y a 25 hommes, 25 dames. Ouais. Et ensuite, ben, après, ces gens-là votent pour choisir alors, un président. Justement, hein, le rôle des élus au sein du conseil départemental, c'est quoi votre rôle? Alors, parce que le grand public ne connaît pas ça. Eh bien, en fait, si tu veux, chacun son rôle. Il y a 50 élus. Oui. Et parmi les 50 élus, ben, il y a un président, 15 vice-présidents, femmes et hommes. Hein, et donc, nous, si tu veux, notre rôle, c'est de prendre des décisions. Mm-hmm. On vote le budget. On vote tous les rapports qui concernent, par exemple, les subventions, les projets, s'il y a un projet de route, etc. Donc, nous, on va voter. Les projets, ce sont les élus qui votent. Mmh. Et les services, une fois que le vote a eu lieu, ben, les services exécutent. Donc, font les travaux routiers, etc., les appels d'offres et tout. Donc, c'est comme ça que c'est organisé. Et le président, ben, le président, il chapeaute tout ça. Il chapeaute les services et il chapeaute l'ensemble des élus. C'est lui qui organise tout. Mmh. Sa responsabilité, c'est de faire en sorte que tout fonctionne. Et beaucoup de gens croient que le président, c'est le maître absolu, hein, le roi suprême qui décide de tout. C'est pas vrai? Non, en fait, le président, il faut savoir que le président, ben, bien sûr, il préside l'Assemblée, il décide, il oriente. Il organise. Mais il organise, c'est sa responsabilité. Mais seulement, le président doit respecter des lois. Le président, il n'est pas au-dessus des lois, il ne faut pas croire. Hein. Et tu as des lois qui fixent l'organisation. Et donc, il faut respecter ces lois-là. Par exemple, en matière ben, d'organisation, des marchés pour les routes, les travaux, pour les recrutements, etc. Ben, il y a des lois. Le président n'est pas au-dessus des lois.
en matière d'urbanisme, par exemple, il faut respecter. Et donc, souvent, les gens ne comprennent pas. Ils croient que le président, ah ben le président, il est au-dessus des lois, il peut faire ce qu'il veut. Non, non, non. Il faut être au courant de toutes les lois. Et la difficulté, c'est que les lois, parfois, évoluent, ils changent. Et donc, il faut bien intégrer aussi les changements qu'il peut y avoir. Parce que le jour où tu ne respectes pas la loi, ben, la dot, il rappelle là-haut. Hein. Mais le président peut faire aussi quelques exceptions, par exemple, comme les paniers fraîcheur, par exemple, hein, ce n'est pas inscrit dans la loi. Les chèques mamaï, ce n'est pas inscrit dans la loi. Hein. Ben, tout ça, c'est vraiment de la responsabilité du président. En fait, oui. Comme je te dis, le président, il prend des décisions. Mais par exemple, en matière de panier ou de chèque mamaï, ben, nous, on prend une décision, on veut mettre ça en place. Mais pour mettre ça en place, les services, après, une fois qu'on a pris cette décision, les services prennent le dossier en main et vont regarder comment est-ce qu'on va mettre ça en place. Parce qu'il y a le code de la santé publique, il y a le code de la famille, il y a plusieurs réglementations. Donc, la décision que nous, on prend, après, les services vont, encore une fois, voir comment est-ce que, par rapport à ce qui est prévu dans les lois, comment est-ce qu'on va faire. Et c'est à eux de nous dire. Les services sont là pour nous conseiller, pour nous informer. Et donc, ils vont dire, ben voilà comment on va faire. Chaque étape après étape, un peu comme dans la cuisine de tout à l'heure, il y a plusieurs étapes. Et à la fin, le chèque, ben, il arrive, le chèque arrive chez la famille. Mais c'est toute une procédure qui est développée. Et parfois, on a envie de faire des choses, mais on ne peut pas faire parce que la loi interdit. On ne peut pas faire. Donc, du coup, les gens, parfois, ne sont pas contents. Et, mais nous, encore une fois, on a plein d'idées, plein de projets. Mais pour concrétiser une idée, il faut, encore une fois, examiner ça sous l'angle de tout ce qui concerne les lois. Après, quand et même, d'un point de vue financier, on arrive à faire beaucoup de choses. D'un point de vue financier aussi, il faut que le finance suive. Par exemple, quand il y a le pacte de solidarité, là, avec, je crois, 41,5 millions d'euros qui a été débloqué là dernièrement pour aider à la suite du Covid-19. Là, ça, c'est des décisions. Comment, qui prend ces décisions-là au sein de tous les élus ou bien les élus. Alors là, par exemple, quand la crise est arrivée, là, le Covid-19, l'État décide, le président de la République dit à partir du 16 mars, confinement général. Et là, il y a eu un vent de panique, hein, parce que franchement, on a pu voir comment la population a été un peu paniquée, parce qu'on n'avait plus beaucoup de choses dans les rayons, etc. Et les personnes âgées, les personnes isolées étaient dans la souffrance, parce que se disant, ben, est-ce que m'a trouvé encore ben, des oignons, de l'ail, etc. Eh bien, nous, au département, et c'est mon rôle de président, c'est de trouver une solution pour ces familles-là. Eh bien, la solution, c'est nous contacter les agriculteurs en disant, est-ce que vous êtes capable de fournir ben, les légumes? Et là, les agriculteurs disent oui, parce qu'eux, ils ont toute la production sur les bras. Ils ne savent pas trop quoi faire, parce qu'il n'y a plus de marché forain, il n'y a plus rien. Ben, ils nous disent, écoute, vous avez les produits, on a des familles isolées, on va organiser la chaîne pour que ça quitte le champ, le producteur, pour arriver chez les personnes âgées isolées. Et donc, on a mis en place ces paniers-là. Mais la décision, donc, c'est moi-même qui prends avec les vice-présidents. Elle doit être votée par les autres conseillers. Il faut que les autres conseillers soient d'accord avec moi. Et donc là, on vote. Une fois que c'est voté, eh bien, les services après organisent et on fait. Et puis, on évalue le coût aussi, parce que c'est vrai que tu as raison. Il faut aussi regarder par rapport au budget. Bien sûr. Juste entre nous, là, comme ça, là, hein, le budget du département, c'est quoi? Alors, le budget du département dépasse le milliard d'euros. Ça représente à peu près 1 milliard 150 millions d'euros. Dans ce 1 milliard 150, il y a beaucoup de dépenses sociales, hein, donc à peu près 500-600 millions de dépenses sociales, notamment pour les personnes âgées, comme j'ai dit, les personnes en situation de handicap, les enfants aussi, l'enfance en difficulté, parce qu'il faut savoir qu'à La Réunion, on a à prendre en considération près de 3000 marmailles, 3000 enfants qui sont dans des familles d'accueil. Et donc les assistants familiales, les assistants et les travailleurs sociaux sont payés par le département, les familles d'accueil. Et donc, une grosse partie du budget va vers le social. Après, ben, il faut s'occuper des routes, des collèges, parce que les collèges, c'est le département. Les routes départementales, 750 km de routes départementales, avec des radiers, des trottoirs,
l'éclairage qu'il faut mettre en place dans les quartiers. C'est des gros budgets, ça. Ben, ça, c'est nous, c'est, on fait tout ça, tu vois. Et puis après... Les agriculteurs, par exemple, hein, l'aide aux agriculteurs avec tout ce qui est hydraulique pour ramener l'eau dans ces champs, là. Hein. On en a parlé tout à l'heure, mais ça me tient à cœur parce que on voit beaucoup de champs qui sont laissés à l'abandon et une des responsabilités du département, c'est de faire en sorte que ces champs-là soient cultivables. Et donc, pour être cultivables et donc pouvoir donner à des jeunes agriculteurs, il faut absolument les irriguer. Hein, et l'irrigation, l'eau fait partie du département. Comment expliquer ça? Comment cette compétence-là est arrivée au département comme ça? Ben, si tu veux, traditionnellement, le département, là, avant, aujourd'hui on dit conseil départemental, avant on disait conseil général. Il faut savoir que le département, enfin la Réunion, hein, donc on est devenu département français en 1946. Ça veut dire que le conseil général existe depuis cette date. Et depuis le début, on a pris en main la compétence agricole. La compétence agricole, c'est, il y a eu d'abord la culture. Avant, on faisait du café, on faisait toutes sortes de cultures. La canne aujourd'hui et la diversification. La diversification, c'est quoi? C'est l'élevage et puis c'est le maraîchage comme on nous voit aujourd'hui. Et le département, dès le début, a été la collectivité qui s'est occupée de l'agriculture. Parce que la Réunion, là, c'est d'abord une terre agricole. Après, le tourisme s'est développé, mais la première économie de l'île, c'est l'économie agricole. Et c'est pour ça que le département, dès le départ, a été compétent en matière d'agriculture. Mm-hmm. Et aujourd'hui, ben, nous vivons un moment important parce que, comme je t'ai dit, on a planté le café, on a planté plein de choses à La Réunion. Ensuite, il y a eu la canne. Et aujourd'hui, tu vois bien que la canne est en difficulté. Et donc, il faut aller vers aussi d'autres productions. Mais il ne faut pas qu'on amène nos agriculteurs vers des productions où ça ne gagne pas notre vie. Parce que les agriculteurs ont une famille, des enfants. Il faut bien nourrir sa famille. Et donc, il faut développer une agriculture qui permette aux familles d'agriculteurs de bien vivre. Et c'est là où on développe tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire l'ananas et d'autres productions. On pense aussi aux filières comme les filières médicinales, les plantes médicinales. Ben, dans tout ça, on a beaucoup de potentialité. On a un savoir-faire. On a des jeunes qui sont bien formés. Et bien, si nous arrivons à continuer dans cette voie-là, moi, je suis persuadé que dans 10-15 ans, à La Réunion, les oignons, l'ail, tout ça, là, nous n'aurons plus besoin d'importer. Ouais. On est capable de faire ici quelque chose de bien, des produits de qualité. Et mon but, c'est ça. On y arrivera à condition qu'on organise aussi les filières de commercialisation. Parce que produire, c'est une chose. Mais après, là, regarde la tomate. Au mois de janvier, février, il ne trouve plus de tomate parce que la pluie tombe, cyclone, etc. Il rase un peu tout ça, la pluie. Donc, il faut qu'on organise le circuit de stockage, de conservation. Conservation, transformation des produits de La Réunion. Quand on va bien maîtriser toute la chaîne de production, stockage, transformation et commercialisation, on va gagner la partie. On a encore 10-15 ans, mais je suis persuadé qu'on va gagner. On va pas trop s'attarder là-dessus parce que quand on parle pour la région de coopération régionale, etc., au département, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, avoir l'oignon à La Réunion à 50 centimes d'euros, ce n'est pas demain la veille. Hein, je fais l'avocat du diable, là. C'est un gros chantier quand même. C'est un gros chantier, mais tu verras que le Réunionnais, parce que ici, le consommateur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut de la qualité. Quand on va dire que l'oignon ici coûte un petit peu plus cher, mais on est sûr que ça on mange là. On connaît que ça, comment ça a été fait. Donc c'est sur ce volet-là qu'il faut y aller. C'est sur la qualité. Sur la qualité. Il coûte un petit peu plus cher, mais on connaît que on mange quelque chose de qualité. Parce que souvent, celui qui vient d'ailleurs, les produits venus d'ailleurs, on ne connaît pas trop quoi en train de manger. Ça coûte moins cher, mais peut-être il fait tomber au malade. Alors des fois, il vaut mieux payer légèrement plus cher, mais manger sain. D'accord, monsieur le président, ou s'il faut écouter à Oula, jusqu'à demain, là, mais je crois qu'on aime à mettre les sud feu là, non? Et s'il brûle, là, nous savoir tout de suite, parce qu'on aime à mettre les sud feu parce que monsieur le président, il ne garde pas son marmite, nous allons garder le marmite tout de suite. Alors, regarde. La cuisine, là, c'est comme un jardin. Il faut un peu de tout. Un peu de verdure. Un peu de verdure. Donc, à la fin, si vous voulez avoir de belles fleurs dans votre jardin, il faut les arroser, il faut avoir de tout. La cuisine, pareil. Là, maintenant, on va mettre un peu les épices vertes, le gros piment.
Voilà. Là, le gros piment, pas trop abusé parce que pas tout le monde aime le piment. Et puis, il y en a quelques feuilles de caloupiné dessus, comme ça. Hein? Quelques feuilles de caloupiné. C'est toute la partie, ramasse ça dans le jardin. Et puis, bon, vous faites un peu de feuilles caloupinées comme ça. Dessus. Il va cuire à quelle température, hein? Ah, voilà, les cuit comme ça. Ben, rien que la chaleur qui reste là, elle est suffisante. Là. Suffisant, donc hein? Là, on fait un petit peu partout pour que le parfum il est un petit peu bien, bien partout. Ben voilà, le plat est prêt. Hein. Ben, après bon. La commise des autres, ben là qu'on mange. Là, ben, je vous ai posé la question, où est le bonheur? Le bonheur est là. Hein. C'est bien. C'est tout la préparation. Le chef, c'est tout. Ouais. Et félicitations. Merci. Merci à toi. Parce que Toto m'a appris ce plat-là, c'est un bon plat. Que souvent on parle de la Corée, Carrie de Corée, mais on connaît Corée de porc, mais là c'est Corée de volaille. Et donc là il m'a appris ça. Merci. Et moi, il voudrait que Toto et moi, eh ben, nous partagent. Ensemble, en, voilà. Voilà Toto, nous deux nous mangeons ensemble. Ça c'est pour toi. Ensemble. Ça c'est pour vous et ça là c'est pour moi. Merci. Voilà. Merci. Mmh. Ben, bon appétit. Bon appétit. Crois-moi, ça promet. D'accord. Et tu étais invité là. C'est bon? Excellent. C'est normal si vous la cuisinez. C'est vraiment bon. Vraiment bon. Et c'est quoi ça? Ça fait partie du coq. Ça fait partie du coq. C'est vraiment la partie du coq. Sinon, il n'y a pas coq. Calix, débrouille à où? Un petit peu là. Ah, au premier, le plus petit mangeur, mais le plus gros bonhomme. Il fallait un premier mangeur. Il fallait toujours un début. Hein. Ouais, il faut un début toujours. Moi, voilà. Je donne toujours l'exemple. Il va aller prendre le meilleur morceau. Et ouais, et là, il prend le meilleur morceau. Il prend que ça. Hein. On ne mange pas la viande, on mange avec chouchou. Mais il ne mélange pas. On ne mélange pas. Hein. Mais là, on mélange deux carrés. On ne mélange pas ça. Il ne mélange pas. Maintenant, il faut faire plus se taper. Et tous les autres, tu ne manges pas. D'accord. En tout cas, merci bien pour le cabri. Ah, c'est un plaisir. Parce qu'on n'a pas rien qu'un pas. Ben voilà. Et comme d'habitude, ici, on a tout le temps un moule fait piment. Charline, nous avons une nouvelle machine fait piment. Ah, ben oui, c'est super. Hein? Et ben, elle change un petit peu. Tout le temps, tu fais pilon dans le piment dans le pilon. Dans le pilon. Ouais, ouais. Et là, quand cela nous a fait une grande quantité, il faut faire en 2-3 fois. Hein? Ben là, elle est bonne, ça. Oui. Hein? Ah. Quel piment ça fait là aujourd'hui? Ça fait un sauce oignon, piment avec oignon dedans. Voilà. C'est bon. Ben, la fille commence à manger à ce moment. Ah, mais elle n'attend pas. Vous n'attend pas après. C'est bon. Manger, non? Ah, ben là, l'air pour manger un petit coup. Voilà, vous savez, vous savez que le président savait cuisiner. Ben oui, oui, enfin, comme tout le monde, comme tout bon créole. Comme tout bon créole. Mais le dimanche, quand il ne travaille pas, ouais. Sauf un peu des autres travails habituels, ouais. Un petit peu la cuisine. Mais là, ça goûte un peu sa cuisine. Ça goûte sa cuisine. Déjà, on a fini d'avoir un petit aperçu, il est bon. Il est bon. Bah, ouais. Bah, hein. Comme quoi qu'il a des talents cachés. Hein. Voilà. Ok. Ben, plusieurs casquettes, il appelle ça. Bah, plusieurs casquettes. Hein, c'est même la fait cuire ça, président. Voilà, la Corée a mangé un petit peu, t'en es là, mais là, il a repris un petit morceau parce que vous l'avez tellement aimé. Et puis, ben, ça, tu connais, hein, ça, c'est notre massalé pays, bien cuisiné. Toto, tous les amis, la cuisine, ça, on va apprécier. Hein. Pas tous les jeunes mangent bien comme ça. On a des jeunes où on mange rapidement, quand on est au bureau. Mais là, c'est un moment de détente. Et ben, on apprécie ce moment-là. Voilà. C'est un moment de bonheur. Et puis, c'est le week-end. C'est le week-end. Et encore une fois, merci aux cuisiniers. Merci à toutes les personnes qui ont élevé ces animaux, qui ont préparé les épices. C'est tout un ensemble de personnes. Merci à Zot. Et maintenant, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit à Zot. Yeah.
Le prochain disque, c'est quand là, alors? Le prochain disque, c'est pour un joueur dans une nouvelle vie, peut-être, mais ce ne sera pas pour celle-là. En tout cas, lui aime bien la musique, la cuisine, c'est la tradition, hein, c'est tout un ensemble de choses. Ça, c'est bien. Et puis le musicien, il était très bien. Rodrigue, les accords créoles, bravo à lui, surtout. Hein. Merci, merci beaucoup. En plus, accompagné de. Le président, très bien, bravo. Première fois où je joue avec lui? Non, on a déjà joué souvent, mais bravo. Là, merci. Sur Canal Austral, c'est la première fois. Hein. Voilà, oh ouais, une grande première. Dans quelle télé peut trouver un président de département qui vient ici et qui fait la cuisine, bien entendu, mais qui fait aussi de la musique ici. C'est pour ça que Canal Austral, c'est la chaîne de musique, cuisine et culture, puisque ici, on parle culture tout le temps. Ça, c'est l'amitié sincère. On voit bien ça quand, dans le regard des gens, dans l'accueil, l'hospitalité. C'est la première fois que je viens ici. Eh bien, l'hospitalité, elle est là. Bravo. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Merci.